74 ans et contrainte de vivre dans une cave. Ben pour l'instant, il n'y a personne qui nous a embêtés. Vous avez un matelas? Oui. Il fait pas trop froid dans cette cave? Non, ça va. Ça va. Simone et Christiane sont sœurs jumelles. Avant, elles vivaient dans le même immeuble, dans l'appartement où elles sont nées. Mais cet été, un promoteur immobilier rachète l'immeuble. Les deux sœurs qui bénéficiaient de la gratuité du loyer sont expulsées violemment, sans avoir le temps de récupérer leurs effets personnels. Elles contactent le promoteur, lui proposant de payer la location, ou même de racheter l'appartement, en vain. Elles ont donc décidé de vivre au sous-sol, sans eau, sans électricité, dans l'espoir de pouvoir retourner un jour dans leur logement. Je vous jure, je ressens ça comme une injustice. Ah oui. Putain. Mais ça me c'est un mauvais rêve. Hein. Même si on doit passer Noël dans la cave, je le passerai. Oui. Je résisterai, je resterai pris de mon appartement jusqu'à la fin. Les deux sœurs, qui sont donc bien déterminées à se battre pour récupérer leurs biens, peuvent compter sur le soutien de certains habitants du quartier, ainsi que sur la Caisse centrale d'activité sociale de Nice, qui suit leur dossier.